empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get up. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un autre vlog en direct de ma cuisine comme d'habitude le matin. Nous sommes aujourd'hui le 31, donc Happy Halloween à tout le monde. J'ai déjà Léna qui est réveillée, il est 8h10. Voilà voilà, et elle est déjà en train de boire le biberon et tout, clairement elle hurlait. Elle hurlait, donc du coup je l'ai prise avec moi. Bon, vous ferez pas attention, il y a du bazar derrière puisque Lola hier est revenue trempée, donc on a laissé sécher son sac et j'ai de la vaisselle puisque hier soir on a fait des crêpes et mon lave-vaisselle est plein à craquer. Aujourd'hui mon programme, je ne sais pas ce que je vais faire. Là j'ai la personne du fuel qui vient me livrer du fuel dans la nouvelle cuve. Vous le savez qu'on a fait mettre une nouvelle cuve dans le garage et du coup il faut qu'on la mette en route. Donc la propriétaire vient avec la personne du coup jeudi. Alors je fais attention parce qu'il y a mes petits chats qui veulent sortir. Allez, voilà. Ils ont un petit peu peur du chien. Voilà, ils sont pas encore très sociabilisés avec le chien. Du coup il fallait que jeudi il y ait du fuel pour la mettre en marche, puisque on va mettre le chauffage. On va mettre un petit peu le chauffage puisque comment vous dire que là aujourd'hui on a 7 degrés. Oui, à 8h10 il y a 7 degrés. Donc clairement ça pique, voilà, pour tout vous dire. Alors si vous entendez en fond, je m'excuse, il y a l'aspirateur qui est en train de passer. J'ai la copine de Lola aujourd'hui, mais Lola ce soir part une autre copine faire Halloween. Et du coup on a acheté des bonbons. Voilà, on a préparé ça hier soir. Bon, les petits, je vous avoue, elles étaient plats à craquer, mais ils en ont un petit peu mangé. Mais bon, je ne vais pas leur dire non, hein, c'est aussi pour eux. Donc aujourd'hui, Léna, elle va aller promener avec Chloé et la copine de Chloé, puisque ce soir, j'ai la copine de Chloé qui vient dormir. Voilà, là, il y avait la copine de Lola. Lola s'en va ce soir, elle revient demain. Et la copine de Chloé vient aujourd'hui jusqu'à vendredi. Donc on va déguiser Léna, vous savez, avec la petite robe que j'avais reçue de Shane. Donc du coup je voulais inclure bien sûr dans ce vlog. Et voilà mon programme aujourd'hui. Je veux vous montrer juste quelque chose dans ce vlog là, donc je vais vous le montrer et après je vous reprends dans la journée. J'ai plein de choses qui doivent arriver puisque j'ai fait des commandes sur Shane, etc. pour moi. Et c'est moi qui ai commandé, hein. C'est pas des partenariats. Je préfère le dire puisqu'à chaque fois que je parle de choses, on croit que c'est direct un partenariat. Mais non, il n'y a pas que les partenariats dans la vie, hein. Je préfère le dire, un petit aparté. Tu veux déjà rentrer le chat? Ouais, c'est parce qu'il doit avoir le chien qui bloque devant. Et aujourd'hui je voudrais faire de l'album, sachant qu'on a enlevé tous les ongles avec Chloé. Donc je n'ai plus rien puisqu'en fait on avait fait du noir et en fait c'était pas joli du tout la pose qu'on avait fait. Donc en fait on a tout enlevé et je les laisse tranquilles jusqu'à la fin de la semaine, mes ongles. Alors ils sont pas, il n'y a rien du tout, hein. On les a juste bien coupés. Mais Chloé m'a dit, écoute maman, ça serait bien quand même de les laisser un petit peu reposer 3-4 jours. Donc on les fera je pense jeudi ou vendredi puisque je les ai plus depuis hier. Par contre j'aimerais bien faire les pieds aujourd'hui avec des choses que j'ai reçues ou alors demain, je ne sais pas encore, ça dépendra du temps puisque j'aimerais bien aussi avancer un petit peu sur l'album puisqu'autrement je ne vais jamais m'en sortir, sachant que je ne sais pas la date encore pour le nouveau projet avec Tony. Je sais ce que c'est mais je sais pas la date, donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un petit peu de l'album. Voilà, rien de folichon. Est-ce que tu veux venir faire coucou? On dit coucou? Tu viens Léna? Tu veux dire coucou? Alors Léna s'est levée le nez plat. Donc on dit coucou. Elle se lève, hein. Donc du coup coucou. On dit coucou comme ça. Tu dis coucou? Coucou? Tu dis? Fais, je te le tiens. Coucou? Non, non. Tu vas boire le bibi? Donc du coup voilà, je vous reprends aujourd'hui dans ma journée. Et autrement, aujourd'hui il fait très beau, mais c'est le dernier jour de soleil avant la pluie, puisque là on a eu la pluie hier. Hier c'était gros orage. D'ailleurs, Cédric, qui est à l'endroit dans la France, il m'a dit qu'il y avait une tempête qui s'annonçait dans la nuit de mercredi à jeudi, 100 à 120 km/h, je crois, quelque chose comme ça. Ils annoncent beaucoup de dégâts. Donc j'espère que ça va. Ça y est, elle vous dit enfin coucou. J'espère que ça va aller, mais nous aujourd'hui il fait très beau, donc là j'ai tout ouvert. Et du coup je suis trop contente parce qu'à partir de jeudi on va pouvoir mettre le chauffage, sachant que je n'ai toujours pas fait rentrer le bois. Donc ça je le ferai courant du mois ou début décembre, puisqu'on ne peut pas faire et le fuel et le bois en même temps, ce n'est pas possible. On n'est pas Rothschild non plus, hein. On n'a pas gagné au loto, non pas encore. Pour celles qui chauffent au fuel et au bois, vous savez de quoi je parle. Donc là, fuel et moi, la nouvelle, au moins je vais pouvoir voir la consommation exacte du mois et 15 jours. Donc ça va être trop cool. Enfin, allez, moi je vous dis à plus tard.
Bon, ça y est, il est 8h46. Je vais me faire mon petit café. Ça y est, on m'a livré le fuel du coup. Comme ça, au moins, à partir de jeudi, je vais pouvoir savoir notre consommation exacte. Ça, c'est très important. Du coup, je suis bien contente. Et là, je me fais mon petit café. Et j'essaye de réduire le sucre. Parce que je mange beaucoup de cochonneries. Et beaucoup de sucre. C'est compliqué dans le café, mais bon, c'est pas grave. Petit café. Ici est prêt, d'ailleurs c'est avec ma cafetière comme ça. Franchement, je ne bois plus du tout de café à la douche depuis que je l'ai, ou alors que quand j'ai du monde qu'il faut que j'en fasse plein. Franchement, c'est trop bon ce café. Par contre, petit bémol, j'ai acheté du café un peu trop... du café un peu trop doux à mon goût, puisque moi avec la Dolce j'étais habituée au café un petit peu plus et d'ailleurs je garde le marc de café là-dedans, à part dans les plantes ou s'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que je peux faire du marc de café, puisque j'en sais rien. J'ai acheté du café, je vais vous montrer, puisque là j'en ai un pot derrière. C'est celui-ci, il était en promo, j'en avais acheté deux paquets, c'est le Laure, le Arabica. Or du coup, je sais pas si je vous l'ai dit, et il est un petit peu trop doux, donc faudra que j'en rachète. Mais du coup j'ai fini déjà mon gros pot là, et le gros pot là, voilà, j'en suis là. Dès que je finis celui-là de pot, je rachèterai un autre pour passer un petit peu plus fort, et je ferai un pot de fort, un pot de pas fort, parce que moi ça va un peu, mais ça me réveille pas assez. Allez, petit café. Bon, je suis intenable, j'étais en train de regarder les dessins animés, mais je vous montre pas. J'ai envie de changer mon atelier. Ça, en fait, j'aimerais mettre un grand plan de travail. Tac, ici. Ici. Et dans ce sens, ici. Mais qu'est-ce que je fais de mon bureau après? Vous voyez. Puisque, clairement, si je mets un plan de travail sur mes calax que j'avais direct ici... Ça pourrait faire mon plan de travail qui est déjà ici. Un grand plan de travail ici. Donc ça voudrait dire que je pourrais remettre mes trucs tout dessus. Tout en gardant ici mon îlot. Et comme ça, au moins si je fais un plan de travail, la silhouette et la machine ici, je mets tout ici. Je sais pas. Je suis indécise. Je peux vous dire... j'ai changé des choses. Vous verrez ça plus tard. Je viens d'aller coucher les petites. Elles font que pleurer. On adore. Bon, du coup, j'ai terminé. Donc là, j'ai mis le canapé comme ça. Finalement, je l'ai remis comme ça. Et je vous montrerai pas plus. Juste vous montrer. Voilà. Un grand plan de travail. Et là, je vais vous montrer, ma belle-sœur, du coup, est passée un petit peu à la maison, puisqu'elle allait me récupérer en colis. Puisque je vous l'avais dit, que Betty m'avait trouvé les blocs de Noël. Alors, il y en a qu'un qu'elle n'a pas pu trouver. Du coup, elle m'a trouvé celui-ci. Donc, trop contente. Et là, je vais aller les ranger. Celui-ci. Hop. Celui-ci qui a sorti avec le bloc de Die Cut, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois bien, puisque... ouais, je crois. Par contre, c'est déjà prédécoupé ou pas? Je crois pas. Je crois pas que c'est déjà... non, c'est pas prédécoupé. Et le dernier, c'est celui-là. Il est trop mignon, celui-là. J'adore. J'adore les couleurs. Et du coup, je trouvais pas dans mon action le discernement. Voilà, donc elle me l'a trouvé. J'avais fait un truc sur Vinted. Ceci, en fait, c'est pour me teindre les sourcils, puisque... le tatouage des sourcils, en fait, il est parti, donc je l'ai maquillé à chaque fois. Et en fait, je cherchais ceci. Je l'ai vu sur une vidéo, donc je le testerai, je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas combien de temps ça dure, hein, je sais pas. Par contre, moi, je l'avais que en noir et il me fallait 7 couleurs pour moi, donc je vais tester ça. Je sais pas combien de temps ils disent que ça dure, c'est pas en français. Je ne sais pas, mais du coup, je pense que ça doit bien durer une semaine. Ils disent de laisser poser 10 minutes, mais je pense que je laisserai beaucoup plus longtemps. Et je vous en redirai des nouvelles. Donc du coup, moi je vais aller ranger ça, finir de ranger mon atelier. Et là, j'adore commencer. Et là, c'est sûr, je ne changerai plus, je kiffe. Du coup, je kiffe ça. Donc je vais aller regarder ça. Je voulais faire de l'album maintenant, mais j'ai pas le temps. Je l'en ferai, je pense, ce soir.
Et après je vous montrerai quelque chose, mais là je veux vraiment terminer de ranger parce que là il y a du foin. Nettoyer, profiter que les petites, et je suis en train de voir que ma cheminée, ils me mettent des doigts partout, c'est horrible. Il faut que je la fasse demain, il faut que je la nettoie. Mais oui, je vais terminer ça et après je vous montrerai quelque chose. Et après je vous montrerai de toute façon la tenue de Léna. Et voilà, allez c'est parti, je vais ranger. Bon, du coup je me suis mise dans mon canapé avec ma petite plainte. Je vais vous montrer tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reçu les parfums Nox. Vous le savez que je suis en collab avec cette boutique. Et là pour le Black Friday il y a une super promo. C'est pour ça que du coup j'ai reçu mon petit colis. Donc j'ai choisi deux parfums. J'ai choisi le Zadig pour Chloé et j'ai choisi l'autre pour Cédric, c'est un parfum homme. Et du coup juste avant je vais vous montrer, il m'a envoyé un petit bracelet comme ça avec des petites pierres, des fausses pierres je pense, bleues, donc trop mignon. Donc ça c'est le petit cadeau, mais déjà je voulais vous les montrer. Regardez, ils font des coffrets franchement trop jolis avec la petite trousse. Je pense que cette trousse, je vais mettre mon maquillage. Vous voyez un petit peu les détails là, franchement trop belle. Et ça c'est le coffret, donc vous avez la petite trousse, vous avez un petit bijou et c'est un petit collier. Il est trop mimi aussi. Alors par contre je sais pas si vous aurez toujours les mêmes bijoux que moi ou pas, mais il y a le petit bijou. Vous avez surtout le rouge à lèvres, voilà regardez, il est trop beau. Et je n'ai pas mis de rouge à lèvres là après le repas pour pouvoir le tester. Ben écoutez, ma foi, il est très joli, donc c'est le numéro 2. Donc on va voir s'il va bien tenir toute la journée, donc trop contente. Voilà, donc c'est cette marque. Trop contente de ce petit rouge à lèvres. Et avec, vous avez le parfum, donc ça c'est à votre choix. Là c'est le 418, donc c'est La Vie est Belle. Je pense que c'est Lola, je vais le donner à Lola. Donc petit capuchon violet, il sent trop bon. J'adore, de toute façon La Vie est Belle, je le kiffe. Vous le savez, c'est des parfums qui sont dans des contenants très classiques. Et c'est des dupes parfaits des grandes marques. Par contre, le prix, clairement, il n'y a pas photo. Il coûte vraiment pas cher. Et moi, de toute façon, je ne me parfume plus qu'avec les parfums Nox. Je n'achète plus les vrais, c'est terminé. Mais de toute façon, je vous aurais mis le code promo en gros. Donc du coup, il y a celui-ci. Donc ça, je vais le remettre à l'intérieur puisque je pense que je vais vous faire une petite story. Et du coup, je vais aller sur la boutique directement. Tac, 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 Nox. De toute façon, à peine je marque NO, ça me trouve directement la boutique. Je vais vous dire donc le premier que j'ai choisi. Donc là, je marque juste la petite référence de derrière. Le 130, c'est celui-ci. Donc c'est le Dior pour homme. Donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le contenant. C'est le 50 ml. Le 50 ml, il a 18,90€ moins mon code promo. Je vous aurais mis de toute façon le lien dessous pour cliquer. Donc les hommes, il est en capuchon comment ça s'appelle, argenté. Alors celui-là, moi je le connaissais pas, je ne sais pas s'il plaira à Cédric, mais s'il plaît pas à Cédric, je le donnerai sûrement à mon beau-père. Voilà, donc petit parfum pour lui, puisque à chaque fois il me dit tu prends jamais des parfums pour moi. Donc là j'en avais pris un la dernière fois. Et du coup, Chloé, elle, c'est le 490. C'est le Zadig et Voltaire. Donc, il est pareil, il est à 20,90€ pour le 50 ml. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, moi, je ne garde pas les boîtes. Par contre, derrière, ici, je marque toujours la marque C et le nom. C'est très important, puisque quand on se parfume le matin, et eh ben, ouais, c'est trop bon. Mais celui-là, on l'avait déjà eu, mais Léna lui a cassé. Donc c'est pour ça qu'elle me l'a redemandé. Il sent trop bon. Et la prochaine fois, je le prendrai à Lola, je pense, celui-ci. Et en fait, voilà, moi je marque sur les petites étiquettes ce que c'est, comme ça je change de temps en temps. Donc voilà, ça fait des petits parfums pas très chers et qui tiennent très bien, puisque moi je vis que par les parfums Nox depuis que je suis en collab avec eux. Et je les adore. Donc n'oubliez pas, en barre d'infos, je vous mettrai le code promo, je vous mettrai le lien d'affiliation. Il faudra cliquer dessus et ajouter bien évidemment le code promo. Et vous en avez plein. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les bébés. Je pense que je vais tester les bébés la prochaine fois. Voilà, vous avez plein de choses et vous avez surtout plein de, comment ça s'appelle, de coffrets dans ce genre là à plusieurs prix. Franchement, ça fait des très beaux cadeaux de Noël. Allez, maintenant je vais faire ma petite story, puis je vais donner ça à Chloé et mettre l'autre pour Cédric. Et je vous reprendrai tout à l'heure, mais là vous savez quoi, je vais me reposer un petit peu.
Oui, puisque là, le fait que j'ai changé tout mon atelier, ça m'a pris beaucoup de temps puisqu'il est plus de 2 heures. Donc voilà, clairement maintenant, je suis capoute de chez capoute. Donc du coup, je vais prendre du temps un petit peu pour moi avec un chat qui miaule. Donc je vais faire entrer les petits chats et je vais me caler un petit moment. Oh, c'est quoi? C'est pour aller ramasser les bonbons? Oh! C'est pour les bonbons? Léna? Ouais, tu vas ramasser les bonbons? Bon, promis, ce n'est pas mon ventre qui glou 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 glou. C'est parce que je suis en train de préparer une purée de pommes de terre et potimarron. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais aller la mixer. Du coup, j'ai préparé le repas. J'ai déjà préparé ce qu'il nous faut. Et qu'est-ce que t'as, le chat? Viens! Pour manger ce soir, j'ai préparé des salades composées, j'ai fait même la vinaigrette et j'ai plus qu'à faire chauffer les petits chèvres chauds. Voilà, et ici nous avons eu une quiche jambon, enfin blanc de poulet plutôt, parce que j'ai la copine à Chloé à la maison et elle mange pas de porc. Du coup c'est du blanc de poulet avec du, comment dire, dessus j'ai mis du cheddar vu que c'est Halloween, et ben ça sera orange. C'est pour ça que j'ai fait une purée potimarron, pommes de terre, et on aura les bonbons puisque ben, personne est venu sonner. Bon, en même temps c'est 6h10, viens le chat, vous voulez sortir? C'est 6h10, je n'ai personne. Allez, regardez. Ma colonie de vacances ici. La mer ici, les petits chats. Voilà, ils veulent sortir. Voilà, allez, deux qui sont sortis. Et maintenant, la mer. On adore. Du coup, je suis toute seule avec Liana. Mais Liana, elle dort. Donc, c'est sa petite sieste du soir. Du coup, ben, j'ai terminé. J'ai fait la programmation de ma vidéo. Là, je vais arrêter. Je rajouterai juste une petite pointe de cumin, puisque moi la noix de muscade c'est pas mon truc. Un petit peu de cumin et je vais vous montrer. Du coup j'ai reçu des petites bricoles pour pouvoir tester quelque chose. Alors je vais vous mettre ici, il n'y a pas trop de lumière. Voilà, j'ai mis la petite lumière. Du coup je me suis recommandé des cartouches d'encre. Je prie que ça soit les bonnes. Normalement oui. Puisque en fait les cartouches de l'Epson, clairement ça coûte super cher. Et là en fait vous avez 4 recharges à chaque fois. Donc trop cool. Et franchement c'est les moins chers que j'ai trouvé. J'ai fait toute ma déco du baptême avec mon imprimante. Et du coup j'avais pris cela sur Amazon. Voilà, je les ai commandés, je crois que ça coûte 35 €. Et là j'en avais plus. Du coup il m'en fallait. Du coup j'ai reçu le livre pour Lola, Alibaba. Voilà, chaque année ils ont des livres. Et j'ai commandé ce livre aussi. Pourtant je croyais qu'on l'avait commandé, mais non, en fait on l'avait pas commandé. Donc du coup ils l'ont demandé. Et bon, après j'ai commandé d'autres choses, mais j'ai pas encore reçu, je vous montrerai. J'ai commandé une chose pour remettre dans mon atelier. Par contre j'ai commandé ceci. En fait c'est tout simplement du papier, du transfert pour les imprimantes classiques, pour pouvoir floquer du coup en imprimant une photo par exemple. Et je pense que pour les cadeaux de Noël ça va être pas mal. Du coup j'ai pris pour les spéciales t-shirt noir et les t-shirts blancs. Voilà, vu que maintenant j'ai la presse, je vais tester. Alors il n'y en a pas beaucoup dedans, donc c'est pour les lasers et jets d'encre en termes d'imprimante. Je crois qu'il y a, je sais pas, c'est pas marqué. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a 10 feuilles je crois. Je crois que j'ai payé ça 12 ou 13 € le paquet. Voilà, donc ça je vais les garder bien précieusement de côté. Et c'est la seule chose que j'ai reçue. Il y a des choses que j'ai commandé quoi. Je me suis commandé des LED, voilà, pour reprendre des LED, enfin des un panneau lumineux comme j'avais dessous, vous voyez ce que vous voyez dessus. Dessous, ben, je vais en mettre un juste sur ce pan de mur. J'ai commandé ça du papier imprimante puisque j'en avais plus. Et j'ai commandé des trucs pour les ongles à Chloé. Et après je m'en rappelle plus. J'ai commandé un autre truc. Je sais plus. Bon bref, je ne sais plus, c'est pas grave, de toute façon vous suivrez ça dans les vlogs. Moi là je vais rien faire, c'est 6h15, Liana elle dort. Je n'ai rien à faire, mais vraiment rien à faire. En tout cas la copine de Chloé est arrivée et demain c'est férié, donc demain pas de réveil. Donc demain je ne ferai pas de vlog. Ou peut-être, je ne sais pas, ça, je verrai un peu, mais bon, si j'ai tout le monde à la maison, ça risque d'être compliqué. Du coup, je verrai, voilà, si je vlog ou pas, mais demain, en tout cas, pas de réveil, et ça va faire du bien, puisque jeudi matin, j'ai la proprio qui vient avec le monsieur de la chaudière pour nous mettre le chauffage, alléluia. Donc, comment vous dire que je vais être réveillée de bonne heure, puisqu'ils arrivent à partir de 8h, donc je fais mon ménage avant, donc vous voyez à l'heure que je vais me réveiller, hein. Mais demain, par contre, il faut que je fasse, pourquoi ça penche, ma truc là, devant moi, là.
ça me fait bon bref, demain il faut absolument que j'arrive à nettoyer derrière la comment on appelle ça, je perds mes mots, derrière la table à langer, nettoyer la table à langer, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Il faut que je range la salle de bain des petits et accessoirement il faudrait que je passe aussi l'aspirateur dans ma chambre. Voilà, demain ça sera mon objectif. Après il n'y aura pas trop de ménage, puisque étant donné que j'ai tout le monde à la maison, ça va être compliqué. Allez, bon, moi je vais ranger ça et puis ben, attendre que tout le monde revienne de la chasse d'Halloween. Voilà, comme on dit, Happy Halloween. De toute façon le titre de mon vlog ça sera Happy Halloween. Et puis là surtout je vais éteindre le four, puisque je crois que je l'ai pas éteint. Est-ce que vous m'avez vu éteindre le four? Je sais plus. Franchement je perds la boule. Et arrivé le soir, oui je l'avais éteint. Je suis tellement fatiguée. C'est pour ça que j'ai fait le repas de bonne heure, puisqu'il est 6h20 quasiment. Et le temps de tout préparer, etc. Au moins maintenant je suis tranquille. Je vais profiter puisque ce soir il y a Harry Potter. Voilà, bon, je vous mettrai une petite image si au cas où ils auront récupéré des petits bonbons. Je crois que j'ai Liana qui commence à se réveiller. J'ai vu le babyphone qui est allumé, mais il n'y a pas de bruit. Ça ne me dit pas qu'il y a du bruit. Mais moi, je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo s'ils auront récupéré des bonbons. Et en tout cas, moi, je vais clôturer ce vlog. Je vais aller ranger ces petites choses. Et puis, ben moi, je vous dis à quelques jours pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. À très vite. Et Liana m'appelle. Des bisous. Oh, oh, oh. I hate all this, oh.